Orangeoises, chers Orangeois, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne année 2022. Que cette année soit remplie de joie, de prospérité, d'amour, de santé. La santé, oui, le bien le plus précieux. Espérons que cette année sera enfin l'année où s'arrêtera cette pandémie mondiale de Covid-19 et que nous pourrons toutes et tous reprendre notre vie normale, faite de liberté publique. Cette année encore, la cérémonie des vœux du maire à la population ne pourra avoir lieu. C'est pour cela que nous avons décidé de vous proposer ce film avec une rétrospective des événements de l'année 2021 et les projets pour l'année 2022, et ils sont nombreux. La piscine d'Ornain accueille 80 000 visiteurs nageurs par an, dont 60 000 scolaires. Les enfants de 17 communes aux alentours viennent apprendre à nager dans notre belle piscine. Des clubs sportifs, mais également du public. En septembre 2020, à la suite d'un incendie, nous avons décidé avec la présidente du syndicat, du CIVU, syndicat de gestion de la piscine d'Ornain, de fermer cette piscine afin de réaliser une rénovation d'ampleur. Il est vrai que la piscine d'Ornain date de 1975. Il était nécessaire de convaincre pour réaliser cette réhabilitation. L'idée de cette rénovation, nous gardons les bassins qui existent actuellement, le petit bain et le grand bain, et ensuite on refait l'ensemble, c'est-à-dire la totalité des façades, avec un agrandissement des vestiaires. Avec l'aide de tous, du syndicat de gestion, du directeur de la piscine, de monsieur l'adjoint au sport, avec l'aide de l'ensemble des communes, des 17 adhérents au syndicat de la piscine d'Ornain, nous allons pouvoir poursuivre cette belle aventure de service public qu'est la piscine d'Ornain, avec l'apprentissage de la natation, mais aussi offrir un moment de détente, de relaxation, de sport à tous les publics, à tous les habitants de notre commune et d'ailleurs. Vive le service public, vive la piscine d'Ornain. Nous sommes dans la rue de Donzère de la résidence Heurtaud. La résidence Heurtaud à Ornain, qui a été la première cité minière rénovée dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. 153 logements au total ont connu cette rénovation, le bailleur étant la SIA. Il y a un an, nous déambulions dans les rues de la cité Heurtaud pour montrer effectivement l'avancement de la rénovation thermique. Celle-ci est aujourd'hui terminée, avec un bilan très contrasté, puisque il s'est apparu au fil du temps de nombreuses malfaçons qui ont fait l'objet d'un constat global où la municipalité, puisque au départ il y avait 90% des locataires qui avaient donné leur accord pour cette rénovation, où la municipalité a décidé d'ester en justice après avoir listé ces malfaçons pour faire valoir les droits des habitants. Aujourd'hui, cette rénovation thermique terminée, l'ensemble des portails et des entrées. Les aménagements extérieurs ont été réalisés également, cela se passe plutôt bien. Les opérations intégrées qui devraient commencer dans les semaines qui viennent. Les opérations intégrées, c'est 3 millions d'euros d'investissement financés à hauteur de 70% pour rénover complètement l'ensemble des espaces publics et des voiries de la résidence Heurtaud. Trottoirs, routes, enfouissement des réseaux, rénovation du parc de l'Espérance par la création d'un parc urbain, rénovation de la maison de quartier. Tous ces projets financés par un ensemble de partenaires dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Nous sommes ici sur la butte du stade Jean Miot à Ornain, avec Philippe Velu, mon premier adjoint, et puis des jeunes du conseil municipal des enfants, pour parler de ce projet que nous avions proposé dans notre programme d'installation d'une plaine de jeu qui se verra matérialiser à cet endroit même où nous sommes. Ça serait bien pour les enfants et les familles, au moins ils peuvent sortir et ils peuvent jouer. Nous avons décidé de réaménager l'ensemble du terrain pour les pratiquants du tennis dans notre commune, particulièrement ceux du tennis club Orninjois, qui nous ont donné un grand coup de main avec son président André Drigère pour aménager l'ensemble de ce terrain. Nous sommes dans l'église Sainte-Calixte, la magnifique église d'Ornain, qui a connu une rénovation d'ampleur qui a commencé en 2019, qui malheureusement a dû être arrêtée à cause de la période Covid pendant presque un an.
Cette rénovation d'ampleur est aujourd'hui pratiquement terminée. Elle s'est déroulée en collaboration avec la communauté catholique d'Ornans et elle a été réalisée par un chantier d'insertion de la communauté de communes du Cœur d'Ostrevent. Je suis aujourd'hui avec Christian Gazet, adjoint aux travaux dans cette magnifique église. Nous avons presque terminé, puisqu'il reste encore une partie de la charpente qui a été détruite par ces problèmes d'infiltration à réparer. Et là, ça ne pourra se faire qu'au mois de février. Donc nous espérons réellement pouvoir inaugurer cette belle église et la rendre à la communauté catholique pour les cultes fin février. Un bâtiment historique qui fait partie du patrimoine de notre commune. Alors nous sommes ici réunis avec messieurs les maires de Mondigny, Amage et de Rigolet, Jean-Michel Chescarec et Marc Delécluse, et Yvan Serrurier en charge de la sécurité pour la municipalité d'Ornans, avec comme discussion la création d'une police mutualisée, une police municipale mutualisée. Pour être présent, il s'agirait de créer une brigade avec plusieurs agents, policiers municipaux et ASVP, pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les trois communes. Cette année 2022 verra la reprise des travaux du pôle culturel Betty Macaré-Lambert, qui fut arrêté en 2021 à cause, bien évidemment, de la pandémie de Covid-19. L'appel d'offres va être lancé en début d'année 2022. Nous pourrons donc avoir d'ici la fin d'année 2022, un pôle culturel qui pourra accueillir toutes les activités culturelles, artistiques, musicales de la commune d'Ornans, et elles sont nombreuses. Ça y est, enfin, le rond-point entre R et Ornans a été réalisé. Des années de mobilisation avec nos amis de R qui ont abouti vraiment à la matérialisation de ce rond-point. On l'a dit, en matière de sécurité, en matière de visibilité, ça n'était qu'une bonne chose pour notre territoire. Et comme quoi, encore une fois, avec le conseil départemental, bien sûr, le volontarisme, ça paye toujours, même s'il faut attendre quelquefois de nombreuses années. Les remontées de cette opération sont très satisfaisantes. Les gens sont très satisfaits, ça a régulé beaucoup la circulation. La commune d'Ornans est un village de services publics. Pour remplir ces services publics rendus à la population, 64 agents, réactifs, efficaces, disponibles. Ces agents sont mobilisés au quotidien pour remplir leur mission de service public. Autre changement d'importance, la mise en place de l'application My Periscool. 350 personnes sont inscrites début d'année 2022. Depuis la rentrée de septembre 2021, My Periscool permet de faciliter les démarches des parents en matière d'inscription et de paiement des services publics pour la garderie, le restaurant scolaire, les mercredis récréatifs et les accueils de loisirs. Nous sommes ici au pôle enfance, petite enfance Pierre Mauroy, le lieu symbolique des politiques enfance et jeunesse de la commune d'Ornans, avec notre directeur, Laurent, entouré de son équipe d'animatrices qui s'occupe de vos enfants le mercredi, puisque bien sûr ici nous sommes au mercredi récréatif, près de 70 enfants chaque mercredi. On peut également citer les garderies, la garderie dès 7h le matin jusqu'à 18h30, dans deux endroits de la commune, le pôle enfance, petite enfance et l'école Lafargue. C'est 80 enfants le matin et 70 enfants le soir. Parlons également du RAM, le relais d'assistante maternelle. 42 nounous s'occupent de vos enfants de la commune. Bien sûr, en complément, la MAM, la maison des assistantes maternelles, où Dorine et Honorine s'occupent également de 20 à 25 enfants toute la semaine. Cette année, nous avons acquis un nouveau bus de 63 places. Je rappelle que le ramassage scolaire est gratuit et il concerne 80 enfants qui empruntent par jour le bus municipal qui est conduit par Serge. Ce ramassage des enfants des écoles, le matin, le soir, le transport au restaurant scolaire, tous les midis, à la piscine, à la bibliothèque, au centre de loisirs, à la sortie des écoles et à la sortie des centres de loisirs.
sommes ici dans la salle de préparation chaude du restaurant scolaire municipal d'Orna. Cette année a été une année importante puisque nous avons décidé de changer de fournisseur. Ce fournisseur nous sert chaque matin les ingrédients, les produits frais. Les repas sont ensuite confectionnés par l'équipe de Christophe. 250 repas pour les enfants des écoles d'Orna, mais également les repas pour les personnes âgées à domicile, environ une trentaine par jour que nous continuons à servir. L'ensemble des repas sont confectionnés dans la logique de la loi Egalim. 20% des repas ou des ingrédients sont considérés issus de l'agriculture biologique et nous mettons en place également les repas du terroir, circuit court, produits par des agriculteurs et des producteurs locaux. Une année importante pour la médiathèque municipale Vandermeersch, puisque dorénavant, elle fait partie du réseau des 15 médiathèques de cœur d'Ostrevent, ce que nous appelons le réseau de lecture publique. Cela permet un très large éventail de renseignements possibles sur le fonctionnement, le règlement, les horaires et sur les sites des différents réseaux de lecture publique. Les ateliers le samedi Scrapbooking de Jennifer et les ateliers créatifs pour les enfants de 6 à 12 ans, ainsi que pour les adultes et adolescents. Ils permettent aux enfants de développer concentration et esprit créatif. Le centre de vacances des Grangettes, dans le Doubs, appartient à la commune d'Orna. 5500 m² avec une autonomie de 120 lits pour les enfants. Comme en 2021, 2022 verra la priorité donnée à l'éducation et aux écoles de la commune. Effectivement, en 2021, le grand projet éducatif fut l'installation de 11 écrans numériques interactifs dans toutes les classes publiques élémentaires, financés à 80%. Mais aussi la mise en place de figurines signalétiques aux abords des écoles pour la sécurité des enfants et des parents. Enfin, des jeux au sol ont été matérialisés dans les cours des écoles publiques et la décoration du dortoir des maternelles. La commune d'Ornain met en place une politique d'accompagnement social envers nos habitants les plus démunis, importante, menée par le Centre communal d'action sociale. Nous sommes avec Mathieu qui est en train de signer son passe-permis. C'est une politique mise en place par la municipalité. Nous finançons le permis des jeunes de moins de 25 ans, de 18 à 25 ans, à hauteur de 500 euros et en même temps de réaliser 35 heures de travaux d'utilité publique dans un des services de la municipalité. Le repas des anciens a pu être organisé malgré la période Covid. 113 convives ont pris part à cet après-midi festive. Le voyage de retraités a également connu un grand succès à la Coupole d'Elfaux et au Cabaret de Lic pour 97 retraités. La Semaine Bleue a été un moment important de partage entre les personnes âgées, les enfants du conseil municipal et les enfants des écoles publiques. Bien sûr, le spectacle et le goûter du CCAS a permis d'offrir des cadeaux de Noël aux enfants des personnes les plus en difficulté. Nous avons également remis des bons de Noël exceptionnels aux familles du Centre communal d'action sociale. Nous avons distribué plus de 300 colis de Noël aux personnes de plus de 70 ans qui n'ont pas pu venir ou assister au repas des anciens. Bien sûr, il y a également la distribution des colis festifs avec le Secours populaire et les Restos du cœur. Enfin, 3 centres de vaccination ont été mis en place. 80 personnes ont pu se faire vacciner de la première à la troisième dose. Enfin, en matière d'urbanisme et de logement, il faut reconnaître qu'Ornain est une commune très attractive. L'an dernier, j'ai eu 315 demandes de logement pour seulement 20 logements remis sur le marché locatif. Je parle ici, bien sûr, des logements sociaux habitat à loyer modéré. La commune d'Ornain dispose de 650 logements. Près de 50% de sa population vit en logement social. Enfin, information importante. Nous avons mis en place, via la communauté de communes du cœur de l'Ostrevent, un permis de louer et un permis de diviser qui nous permettra de lutter contre les marchands de sommeil.
Cette année, nous avons décidé d'aménager complètement avec l'aide de la société de pêche d'Ornain et son président, Loïc Baudard, d'aménager complètement notre site de l'étang d'Odor, ici à Ornain, avec des aménagements paysagers, forestiers, avec la mise en place de mélanges fleuris dans le cadre de la gestion différenciée. Et nous avons présenté d'ailleurs l'ensemble de cet étang complètement réaménagé au jury des villes et villages fleuris cette année pour l'obtention de la troisième fleur. Je vous encourage toutes et tous, habitants de la commune ou d'ailleurs, à venir vous promener autour de ce magnifique lieu de verdure. Nous avons d'ailleurs aménagé avec des tables, avec des poubelles, avec des chaises pour permettre effectivement à chacun de venir en famille se reposer, se ressourcer ici à Ornain, à l'étang d'Odor. La commune d'Ornain est commune labellisée deux fleurs. Nous travaillons pour tenter d'obtenir une troisième fleur, ce qui est important d'un point de vue touristique, mais aussi en termes de reconnaissance, de cadre de vie et d'environnement. Un travail de qualité des services Espace Vert avec le recrutement de 4 jeunes. Cette année, nous avons lancé pour la première fois un marché de Noël avec 45 exposants qui a connu un réel et vif succès puisqu'il y a eu près de 9800 visiteurs. Nous avons également fêté bien sûr la descente du Père Noël avec là aussi la distribution de friandises et un grand spectacle pyrotechnique. Bien sûr sur la place, les illuminations magnifiques, le grand sapin de 12 mètres décoré, la maison du Père Noël, tout ça grâce à la commission des fêtes. Nous avons fêté Halloween avec un grand défilé, également un spectacle de feu grâce à l'écrin de liberté. Bien sûr, le 14 juillet, avec son traditionnel feu d'artifice, cette année en musique, avec le groupe Kiss for Rock, accompagnant rythmant ce feu d'artifice. Nous avons également célébré la fête de la musique, un grand moment de musique sur la place, au mois de juin. Bien sûr, nous avons renouvelé cette année la quinzaine commerciale, avec la participation de 18 artisans et commerçants de la commune, ce qui montre effectivement notre riche tissu commerçants et artisans, dans une logique d'acheter local, de privilégier l'achat local, festivité, convivialité dans notre commune, et tisse du lien social. Ornain est une ville atypique en matière sportive, avec ses 67 associations, dont 25 à vocation sportive. Pour 3600 habitants, le nombre de licenciés est considérable. C'est d'ailleurs un des taux les plus importants de la région Nord-Pas-de-Calais. Pour pouvoir pratiquer ce sport, assouvir sa passion, nous travaillons pour rénover, aménager, renouveler les équipements sportifs. Des équipements hors normes qui permettront à chacun des habitants d'assouvir sa passion et de pratiquer son sport. Back when you saw me so long.
You look pretty good going somewhere, but I just couldn't convince myself. Thank you.
I feel no.